Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mode. Et si vous avez vu mon dressing, vous savez que je m'y intéresse. Mais il s'agit bien plus de vous trouver un style très particulier que de suivre simplement les nouvelles tendances. Bon, ça peut être aussi amusant, mais c'est plus que ça. C'est comment trouver un style qui soit vraiment le vôtre. La mode peut vraiment être une façon très créative de montrer au monde qui vous êtes réellement. Alors, je vais vous proposer quelques tutos de création de mode qui m'ont aidé à exprimer mon style. Et peut-être qu'ils vous aideront aussi. Avec nos anciens vêtements, c'est faire un nouveau style. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai des vêtements que j'aime vraiment. Et avec le temps, je ne sais plus comment les porter. Alors, je me suis mise au défi de combiner le plus de tenues possible, juste en mélangeant et en assortissant les choses que j'ai déjà. Vous pouvez le faire avec tout ce que vous avez. Joli, n'est-ce pas? Mais basique. Alors, si je combinais plutôt ça, ou ceci, ou cela? J'ai trouvé tant de combinaisons possibles, surtout quand j'ai arrêté de penser à comment les vêtements sont censés être portés et que j'ai commencé à imaginer comment ils pourraient être portés. Et la dernière? Oui! Ce style m'a permis de me sentir sûre de moi et unique. La mode peut révéler ce sentiment. Elle peut nous permettre de nous sentir bien. Mais elle peut aussi être le reflet de comment on se sent. J'ai appelé ce tuto « Le câlin main libre ». L'été dernier, quand mes amis et moi étions séparés, chacun de nos activités, on se manquait vraiment beaucoup. Alors on s'envoyait des cartes postales. Et les mots que j'ai reçus m'ont été d'une grande inspiration. Ils me procuraient une grande chaleur à l'intérieur. Je voulais trouver un moyen de les garder toujours avec moi. Et il m'est alors venu cette idée. Choisissez une expression ou quelques mots qui vous rappellent quelqu'un. En voici quelques-uns que j'ai choisis pour mes amis. Courageuse. Audacieuse. Sans limite. Prenez vos marqueurs à tissu. Vous pouvez utiliser du papier calque si vous voulez ou simplement dessiner à main levée. Ah, oups! Blissa a décidé d'y laisser sa trace. Chose que je n'avais pas prévue, mais d'une certaine manière, le résultat est encore plus beau. Qu'en pensez-vous? Quand je me blottis comme ça, c'est comme si je serrais mes amis dans mes bras. Et le style est complètement unique en son genre. Et je l'aime tellement que j'en ai aussi mis sur mes chaussures. Vous voulez voir? Oh! Oups! Voilà ce qui est amusant avec la mode. Et il n'y a pas qu'une façon de s'habiller. Elle vous laisse la possibilité d'être créatif, de vous amuser, d'expérimenter et de ressentir. Elle vous laisse montrer au monde toutes vos différentes facettes et vous laisse être qui vous voulez être réellement. Alors, qui voulez-vous être? Et oh! Voilà Blissa. Merci d'avoir créé votre style avec moi aujourd'hui. Peace! So you start by putting the red. Wow! Be together. Group shot.